Coucou famille, j'ai quelques informations par rapport à Mobad. Je vous avais parlé au départ. L'histoire est compliquée. Voilà, certaines personnes disent, je vais vous raconter les histoires telles comme on voyait les vidéos, ok? Et vous savez que c'est en pidgin, c'est en anglais, broken English. Donc voilà, je vais pas rentrer dans les détails, mais je vais vous donner l'essentiel. Donc ce qui se passe, c'est quoi? Mobad travaillait avec Nara Marley dans le passé. Okay? Il travaillait pour le record label de Nara Marley. Okay? The record label. Yeah? I'm not sure what it is in French. Je pense qu'en français, on dit aussi record label. C'est-à-dire la maison d'enregistrement. C'est ça, non? Record label. Yeah? C'est-à-dire une maison d'enregistrement. C'est-à-dire record label. Franchement, apprenez un peu l'anglais. Donc, il travaillait pour le record label de Nara Marley. C'est-à-dire Nara Marley qui était, voilà, son boss. Nara Marley a une compagnie de voilà. Comment je vais vous donner comme exemple? Record label. Il y a le record label de, comment elle s'appelle, celle qui est en Côte d'Ivoire, qui s'appelle comment? Chamawa, mais Chawa de José, là. Chama Production, voilà, c'est comme ça. Record label, that's what it is. Record label, c'est ça. C'est ça, record label. Donc, il travaillait dans le record label de, comment il s'appelle, de Nara Marley, et il a décidé de partir. On n'est pas parti trop deepement, on n'est pas parti trop profondément, on va faire un peu. Sinon, c'est compliqué, ok? Donc, il travaillait pour Nara Marley, les deux ne travaillent plus ensemble. Depuis qu'ils ne travaillent plus ensemble, là, il y a affaire. Donc, actuellement, ce qui est là, ils l'ont enterré. Il a été enterré, je crois, avant-hier ou hier. Ils l'ont enterré tellement vite. Je ne sais pas si il est musulman ou pas, mais de la manière dont ils l'ont enterré vite, là, les gens ne sont pas contents par rapport à ça parce que c'est bizarre. Aucune célébrité était là-bas. Un enterrement, oh, l'enterrement fait trop pitié. S'ils n'ont pas pris sa taille pour l'enterrer dans le cercueil, on ne sait pas. Mais sa tête est penchée dans le cercueil. C'est-à-dire, le cercueil n'est pas sa taille. Vilain. Je vais même pas mettre des photos. Je sais que si vous voulez voir des photos sur la toile, vous pouvez voir des photos, mais il y a des trucs que franchement, j'aime pas montrer parce qu'il a des enfants. Bon, il a un bébé, il a une femme et tout ça. Donc, je vais pas mettre. Donc, il a été mal enterré rapidement. Pourquoi? On ne sait pas. Sans autopsie, sans test. Apparemment, il a décidé de ear infection, like infection d'oreille. Chelou, bizarre. Ben, c'est ce qui est là pour le moment. Donc, pense ça comme ça. Je vais vous revenir après. Je vais vous montrer un peu des clips de comment ça s'est passé. C'est vraiment triste. Vraiment, ça fait pitié parce que c'est quelqu'un qui chantait très bien. Essayez de chercher ses chansons. Il chantait très bien. Et apparemment, sa femme était à l'intérieur. C'est elle qui est là. On ne peut même pas voir le visage. Je ne sais pas comment les gens pensent que c'est elle. Les gens mentent tellement qu'on ne sait pas qui dit la vérité. Voilà, je vous reviens plus tard, c'était des faux stars. All right, à tout à l'heure. Bye.